ça joue des deux côtés. Pourquoi pas là justement. Et ben voilà, il suffisait de demander. Durel Avounou qui fait briller Paul Delecroix avec cette frappe au premier poteau. Et en effet, très bel arrêt de l'ancien gardien de Metz. Et ballon touché de la tête. On attend mieux en seconde période. 0 à 0 entre Le Mans FC et Châteauroux après 45 minutes de jeu. Vu les déplacements, oui, c'est travaillé. Enfin, même si je pense que Nolan Roux a le sens du but et le sens du placement. Vu son expérience, c'est très bien fait ça. Oh, quel arrêt. Quel arrêt de la part de Pierre Patron. Et ben là voilà, la plus grosse situation de cette rencontre. Devant les supporters de Châteauroux, finalement, c'est Pierre Patron. Ça, ça fait du bien, j'imagine, pour une défense. Et peut-être partir en contre. Ah, le bon dégagement, en effet. Il est passé, il souffle Macalou. Il n'y a pas grand monde dans la surface de réparation. Il est face à deux joueurs, il souffle Macalou qui continue quand même. Qui va pouvoir frapper, ça passe à côté. Et ce sera un corner, ça a été touché. Le corner cette fois-ci sera pour les Manceaux, c'est touché. Et ça va aller en fond, l'ouverture du score pour Le Mans FC. Ça fait un but à zéro. Et c'est le jeune, c'est le petit jeune Imrema Koulibaly. Donc ça en fait quand même, hein, des joueurs qui sont habituellement titulaires ou qui sont dans la rotation. Attention quand même de ne pas dire ça et qui est juste derrière l'égalisation. La frappe avec l'arrêt encore une nouvelle fois, peut-être en deux temps. Pierre Patron, quelle frappe tendue en plus encore, qui rend tous les supporters berrichons bien tristes ce soir. Mais à n'importe quel instant, il peut aussi montrer tout son talent. Et là, attention, parce que ce ballon est récupéré, la frappe. Ouh, c'est pas passé loin. Envoyé dans la nuque. Ah oui. En tout cas, trois joueurs qui ne sont pas professionnels. Attention avec Bénédine, le ballon qui va arriver jusqu'à Jonathan Mexique à l'entrée de la surface, qui va pouvoir frapper. Encore l'arrêt, toujours là, toujours présent, toujours debout. Pierre Patron, impassable ce soir, qui avait remporté également le match aller. Et là peut-être, en tout cas, il y a un bon ballon sur ce côté avec Entola, le double buteur justement lors du match aller. Le petit centre, ça a été touché, ce sera encore pour Pierre Patron. Ah, c'était peut-être pas la plus compliquée de la soirée, mais il fallait quand même aller la chercher, ne pas être surpris.